Salut tout le monde, bienvenue sur Setup GT7 Gamepad, la chaîne destinée aux joueurs manettes. Alors aujourd'hui, je vous présente le setup de la Ferrari Testarossa 91 en 650 pp. Alors on va faire un petit tour sur la piste. Après, vous verrez donc, je conduis sans contrôle de traction pour faire voir quand même que la voiture tient bien le pavé. Et après, on regardera donc le kit aéro, comment faut le monter. Je vous parlerai aussi des l'incidence. Que peut avoir le changement de pneus et aussi de jantes, hein, notamment les dimensions des jantes. On passe en 16, 17, 18 ou 19 pouces. Voilà, donc restez bien avec moi là pour la vidéo et puis on se retrouve après pour le setup. Je vous dis à tout à l'heure, bon visionnage! Alors, on va aller dans GT Auto pour voir le kit aéro. Alors, au niveau des jantes, moi personnellement, j'ai laissé sur les jantes et les pneus d'origine. Donc, on va voir ensemble quelques petits détails. Donc, si vous désirez changer de jantes ainsi que de pneus, voilà, là, je vais vous faire voir. On nous propose au niveau des jantes, voilà des jantes différentes, 19 pouces, 18 et 17 et du standard. Voilà, et là, au niveau des largeurs, voilà, là, standard. Et ici, là, on peut choisir sur large aussi, hein, au niveau du déport. Donc, il faut savoir que ça influe sur le comportement de la voiture. Donc, faites des essais. S'ils sont concluants, vous pouvez changer vos. Mettons le diamètre des jantes, etc. Mais moi, là, je l'ai réglé pour comment dire, pour des pneus standards. Hein, voilà, donc faites attention à ça. Hein. Donc là, moi, je ne vais pas les installer. Ceux-là, je vais rester avec. Vous voyez, là, c'est bien revenu sur mes jantes d'origine Ferrari. Voilà, c'était un petit détail, ça. Donc, on va passer sur les pièces personnalisables. Là, et on peut voir qu'on n'a pas de kit avant ni de flanc. Donc on va aller directement sur aileron, puis on va acheter après l'aileron personnalisé. Soit vous le mettez sur bas, moyen ou haut, hein. Après c'est une question d'esthétique. Et les volets c'est pareil, hein. Moi j'ai pris le 09, ça c'est une question d'esthétique aussi. Hein. Après vous installez la pièce, n'oubliez pas surtout. Voilà. Donc on va voir le setup, on va regarder ensemble les pièces qu'il faut installer sur la caisse. On va dans atelier de préparation. Une fois que nous sommes là, donc on va sur sport.
Sur sport, on va prendre la deuxième ligne et on va acheter le réduction de poids niveau 1. Voilà, je vous laisse le faire tranquillement. Après, on va dans le club. Donc, dans le club, première ligne, il n'y a rien acheté. La deuxième non plus. On va dans la troisième ligne et on va sur réduction de poids niveau 2. Donc, vous achetez la pièce ainsi que le restructeur de puissance. Vous l'achetez aussi. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, on achète aussi dans la dernière ligne le ballast. Donc dans le club, ça nous fera une pièce achetée, deux pièces, trois pièces. On va dans semi-course. Alors on va acheter l'informatique entièrement personnalisable. Dans la deuxième ligne, il n'y a rien à acheter, donc voilà, on ne peut pas d'ailleurs. Et on va aller sur la troisième ligne pour acheter le DGL entièrement personnalisable. Vous achetez la pièce et on n'oublie pas surtout dans la dernière ligne la rigidité de la carrosserie. Donc dans semi-course, ça fait une pièce achetée, deux et trois. On passe en course. Donc à la première ligne, il n'y a rien acheté. On va dans la deuxième, on va acheter le filtre à air de course et le silencieux de course. On descend. Et on achète le collecteur d'échappement de course, ainsi que les plaquettes de frein course et les kits de frein course aussi, hein, les disques. Et on achètera après dans la ligne du dessous la manette d'équilibrage des freins, la suspension entièrement personnalisable et l'embrayage et volant de course. On descend, on va dans transmission de course entièrement personnalisable, on achète la pièce et des pneus. Voilà. Donc ça nous fait une pièce, deux pièces achetées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces achetées dans course. Et donc sur Extreme, oui, c'est ça, il n'y avait rien à acheter non plus, j'avais rien acheté sur Ultime non plus. Voilà. Donc on va se retrouver pour le setup, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour le setup de la Ferrari Testarossa 91 en 650 pp. Alors, ça nous donne 369 chevaux, un couple à 505 Nm, une cylindrée à 4 943 cm3 et un poids à 1217 kg. Et la répartition de la masse 42-58. On va passer à la hauteur. 125 à l'avant, 165 à l'arrière. Donc une hauteur, hein, voilà. Pas trop basse non plus, sinon vous aurez des problèmes d'instabilité et la voiture. A tendance à comment dire s'ouvrir un petit peu quoi. Donc là 125 c'est pas trop mal. Et étant donné que la voiture ne survire pas, on la met beaucoup plus haut, donc à 165 hein, pour que l'arrière suive l'avant dans les entrées de virage. Alors au niveau de la barre anti-roulis, 9 à l'avant. Étant donné que là on n'a pas de problème de sous-virage, on la met à fond. Comme ça aide la voiture à tourner en la mettant plus dure. Et 5 à l'arrière, voilà, hein, pas trop non plus, pour éviter les survirages, étant donné que j'ai mis à 165 en haut. Voilà, donc 5 là, c'est largement suffisant. C'est très bien comme ça. Au niveau de la compression, 35 et 35, et extension 45-45. Voilà, hein, donc ce qui fait 35-45 pour l'avant, 35-45 pour l'arrière. Bon, après, selon le circuit, vous pourrez peut-être baisser un peu la compression. Vous verrez, hein. Voilà. J'ai essayé plusieurs circuits, ça va plutôt bien, quoi. Donc, au niveau de la fréquence naturelle, 2 l'avant et 2,10 un peu plus dur derrière. Voilà, la fréquence naturelle, pas trop souple non plus, sinon vous aurez des problèmes d'instabilité au niveau de la caisse, du train avant. Donc, la 2, voilà, c'est un bon compromis. Voilà, elle tourne plutôt bien, donc pas de problème. Et voilà, un petit peu dur derrière comme je vous disais pour que l'arrière suive avant dans les entrées de virage, ce qui l'aide à tourner. En carrossage, hein, pour avoir du grip, 3 à l'avant, 3 à l'arrière. Au niveau de l'angle de pincement, moins 0,10 à l'avant pour avoir un petit peu de grip dans les entrées de virage et plus 0,20 pour stabiliser la voiture dans les entrées de virage et éviter le survirage. On va passer donc au DGL. Voilà, donc entièrement personnalisable, c'est la pièce qu'on avait achetée tout à l'heure.
Au niveau du couple, 10, l'accélération, 10 et le freinage, 15. Donc on va passer au niveau de l'appui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'appui avant hein, sur cette voiture-là, il y en a simplement à l'arrière. Donc moi j'ai mis personnellement à 200 derrière. Après, bien sûr, hein, ça je vous laisse faire comme vous voulez selon les circuits, mais faites attention, si vous baissez, hein, vous risquerez peut-être de surveiller. Donc si ça se produit, remontez un petit peu l'aéro. Voilà. Alors, l'écu entièrement personnalisable, voilà, le réglage 100%, le ballast on met à 13 kg, positionnement du ballast moins 25, et le restricteur de puissance 77. On va passer à la boîte, donc la boîte j'avais fait vite fait. Alors, voilà, donc oui, voilà. Comme je vous disais, donc moi je sais pas, je l'avais mis à 4000 la vitesse finale au départ, et après j'ai laissé sur 300 et j'ai mis les rapports comme ça. Hein. Voilà, après les boîtes, je pense que vous savez les faire. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Alors au niveau du compresseur, donc il n'y a aucune pièce à acheter. Hein, donc voilà, c'est très bien. Et au niveau d'admission échappement, donc échappement épurateur sur course, le silencieux sur course et le collecteur d'échappement sur course. Donc au niveau du freinage, le système de freinage sur course, les plaquettes de frein course et l'équipe des freins, je vais acheter, hein, c'est pour pouvoir mettre les freins sur l'avant ou l'arrière. Voilà, donc moi j'ai laissé pour circuit sur zéro, après hein, vous verrez ça par vous-même hein, si vous voulez mettre sur l'avant ou l'arrière. Kit donc de direction, ça c'est sur normal. Embrayage et volant, oui, course, donc la pièce qu'on avait achetée. Donc comme je dis en préparation moteur, on n'a acheté aucune pièce, on a fait juste la réduction niveau 1, au niveau du poids, niveau 2 et la rigidité. Voilà. Donc une caisse super sympa, moi j'ai bien aimé. Donc voilà. Par contre, ce qui est particulier sur cette voiture, c'est quand même que c'est une boîte 5 et il faut faire attention par rapport à ça. Donc, ceux qui sont pas trop habitués aux boîtes 5, qui roulent plutôt avec des boîtes 6, hein, notamment sur les caisses assez récentes, là, vous verrez, c'est un petit peu déconcertant au départ, mais après, voilà, on s'y retrouve. Voilà, donc c'est une bonne voiture, je vous la conseille. Allez, salut tout le monde, à bientôt.